Ok, mon gars. Je veux pas y aller par quatre chemins, tu vas tout me raconter de ce qui s'est passé hier soir. J'ai déjà tout dit à votre collègue. Mais tu vas recommencer. Bon, ok. C'est des bruits de couloir qui courent depuis plusieurs années. Viens-en au fait. Apparemment, ce qui s'est passé hier soir, bah, c'est déjà arrivé. T'en as pas marre de foutre de ma gueule? Je sais, c'est pas croyable, mais comme je l'ai dit à votre collègue juste avant, c'est exactement ce que décrivait la légende. Le roi Nzumbe a été assassiné par l'amant de sa femme. Une fois dans l'autre monde, Nzumbe a fait un pacte avec le diable, afin de revenir d'entre les morts. Arrête tes conneries de série de télé à la con, je t'en colle une. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu foutais dans la forêt défoncée au milieu de ces 50 cadavres? J'aurais une seule question, pour l'instant, à te poser, si tu veux bien. Est-ce que tu peux me donner la raison de ta présence ici? Qu'est-ce que tu fous là, en fait? C'est ça, ma question. J'ai reçu un message sur Snapchat. Non, alors. Tu n'as jamais intéressé personne. Je te vois, hein, déambuler dans la fac, un peu partout. Tout est à refaire. Tu vois, regarde ta tête déjà. Regarde comment tu te sapes. Regarde ton corps. C'est chaud, ça. C'est chaud d'être comme ça. Je comprends ou pas? Donc, pour amuser la galerie ou être le clou du spectacle, oui, mais rien d'autre. Tu n'as rien à faire là, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais je vais quand même te proposer un truc. Un truc complètement fou, d'ailleurs. Avec tous ces handicaps, essaye quand même de passer une bonne soirée. Ok? Juste pour voir. Ok? Allez. Oh! Mais t'es venu! Eh, mais mon gars, bien ou quoi? Ok? J'allais pas manquer ça. Bon, on va se mettre bien! Alors, ça, c'est un mec que j'appelle bourré. Regarde-moi ça comme il défonce des gars. Il est fait. Eh bien, on se barre. Putain, mais attends. On se barre, on s'en bat les couilles, on se barre. Tu penses vraiment que je vais gober ça? Arrête de mentir, dis-moi la vérité! Mais je vous jure, c'est la stricte vérité! C'est quoi cette arme? Gabriel. Qu'est-ce que t'as dit? C'est Gabriel qui tenait l'arme. Gabriel? À la fac, tout le monde savait que... qu'elle lâchait pas sa petite sœur d'une semaine. Sa petite sœur? Oui. Lohan. Salut. Salut. Il a passé le temps? Ouais, bah, ça a été. Tiens, tu as laissé ça. Ah, merci, putain, je l'avais perdu. Tu m'écoutes pas, Lohan? Comment ça, je t'écoute pas? Écoute, on en a déjà parlé, je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Faire fouiller mon téléphone? Écoute-moi ce téléphone, là. C'est à moi. Maintenant, je suis assez grande pour savoir ce que j'ai à faire, donc tu me fous la paix! Lohan! Lohan, attends! Cette jalousie, c'est la cause de tout ce qui s'est passé cette nuit. C'est de là que tout est parti. Lohan, c'est moi, je suis rentrée. Lohan? 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 Merde!
T'as entendu le bruit là? Bah attends, y a un bruit là. Tu l'as entendu? Mais qu'est-ce que tu racontes? Va voir s'il te plaît. Attends, je vais voir si tu veux. Oh putain, c'est quoi ça? J'arrête. Tout est à refaire. Tu vois, regarde ta tête déjà. Regarde comment tu te sapes. Regarde ton corps. C'est chaud, ça. C'est chaud d'être comme ça. Je comprends ou pas? Donc, pour amuser la galerie ou être le clou du spectacle, oui, mais rien d'autre. Tu n'as rien à faire là, en fait. C'est quoi le rapport avec la tuerie d'hier soir? Justement, j'y viens. Qu'est-ce que t'as foutu, sérieux? Putain, tu vois pas qu'il a failli se faire bouffer? T'attendais quoi pour leur tirer dessus, putain, sérieux? C'est quoi ce bordel? Nzumbé. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit Nzumbé. C'est quoi ça? Hein? C'est du créole haïtien. On t'a sonné, toi? Sors ça d'où? D'après ce que je sais, ça désignerait des victimes de sortilèges vaudous. Des personnes ayant perdu toute conscience, toute forme d'humanité. Ils deviendraient agressives et terriblement contagieuses, mais... C'est bien plus que ça. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ça veut dire quoi? C'est le roi Nzumbé. Il dirigeait la tribu des Kimbundo et il a été assassiné par... Ramassez de conneries, hein! Hé, hey, putain, au lieu de nous ressortir des conneries que vous avez lues dans n'importe quelle torche cul, là, fermez tous vos gueules! Vous fermez vos gueules! J'ai failli me faire bouffer il y a 3 secondes, là. Ça, c'était concret! Ça, c'était réel, tu vois? Alors, bon, tu fermes ta gueule et toi, tu fermes ta gueule! Calmez-vous tous ici, ok? Hein, s'énerver, ça sert à rien. On va trouver une solution et il faut pas s'énerver. Comment tu veux qu'on reste qu'un mec, ce qui se passe dehors? Tu peux me le dire, ça? Regarde ce qui se passe dehors! Ah, ferme! Arrête! Bon, écoutez, il y a une sortie là-bas. On n'a qu'à les voir et les contourner. Voilà! Peut-être que si on l'écoute, on peut s'en sortir! Ok, ok, si on veut traverser cette forêt, il faut qu'on se protège, d'accord? Trouvez des trousses à pharmacie, des bouts de bois, des pierres, n'importe quoi, tout ce qui pourra nous être utile! Gabriel, je pense pas que ça soit bon. Non, non, écoute, si tu veux attendre que ces trucs viennent te bouffer, c'est ton problème, d'accord? Lorraine, tu viens avec moi! Allez! Bon, après, Marc a établi un plan pour qu'on s'en sorte. Attends. Je sais pas pour toi, hein, mais moi je compte pas écouter une meuf qui assume plus sa féminité et qui se prend pour Captain America. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Putain, mais qu'est-ce que tu racontes? Il faut qu'on reste unis si on veut survivre. Vas-y. C'est pas facile, putain. Vas-y. Putain, viens, merde. On prend le gueule. On oublie Sarah Connor et l'autre conne des Cosettes, et pour les deux, Roméo et Juliette, on connaît la fin de l'histoire. Putain, mais t'es malade.
On peut pas faire ça, merde. Putain, mais grandis un peu là, arrête de faire ta baltringue, hein. Arrête de faire ta baltringue. Tu vas faire quoi? Tu vas rester là, rien foutre là comme d'habitude? Si leur plan de merde, ils tombent à l'eau, on fait comment? Hein? Tu crois qu'ils ont pas pensé à un plan B? On prend le gun, on garde le gun, et toi, bah, tu me suis. T'as compris? Je récapitule. Vous êtes rentré dans un bungalow, vous avez cherché de quoi vous protéger, et Marc t'a fait part de son plan, c'est ça. Et ensuite? Dans ton histoire. Gabriel aurait laissé ton ami Marc se faire crever? C'était lui ou nous et j'ai préféré, voilà, c'est tout. Arrête un peu. Ah oui, tu peux leur mentir. Mais toi et moi, on sait ce qui s'est passé. Que toi, complètement défoncé, tu l'as vu tirer sur sa propre sœur. Je vais péter un câble. Juan, moi. Juan, je t'en prie, non, reste avec moi. Mais qu'est-ce que t'attends? Va chercher de l'aide, vite! Et pour Paul? Quand je reviens, t'as intérêt à changer de discours, sinon je serai moins patient.